Christophe De Becker, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué d'HSBC France. On va parler avec vous de développement durable pour cette journée novétique et pour la banque que vous représentez aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que le développement durable, c'est quelque chose de stratégique? Oui, le développement durable, c'est stratégique pour HSBC depuis longtemps. C'est une politique, mais c'est surtout une façon d'être. Je vous rappelle qu'HSBC, c'est un groupe qui est implanté partout dans le monde, qui exerce son activité de banque en général, mais donc banque de particuliers, banque d'entreprise, banque d'investissement, banque privée, à partir de 9 500 implantations et 86 pays. Ça confère à HSBC une position absolument unique d'observation donc des grandes tendances de ce monde. HSBC construit d'ailleurs sa stratégie à partir de l'observation de trois tendances fortes qui ont des impacts d'ailleurs et qui comportent des risques sociaux et environnementaux. La première tendance, c'est d'abord l'accélération de la croissance des pays émergents. Les pays émergents croissent finalement plus vite que les pays matures. La deuxième tendance de fond, c'est que finalement les flux internationaux eux-mêmes accélèrent et la croissance de ces flux est supérieure à la croissance moyenne des PIB. Et la troisième tendance de fond, c'est le vieillissement de la population. C'est le monde fabrique de plus en plus donc de seniors et de plus en plus vite. Ces tendances de fond donc présentent des risques. HSBC doit les maîtriser et doit surtout en saisir les opportunités qui peuvent en découler. HSBC estime finalement avoir un rôle à jouer dans l'économie mondiale. Ce rôle, c'est de développer des activités que je viens d'évoquer de façon pérenne, en assurant des résultats solides, des résultats durables. Ceci pour le bien-être de nos clients, ceci pour le bien-être de nos salariés, pour le bien-être de nos actionnaires, de nos fournisseurs, et en l'occurrence, pour le bien-être des gouvernements dans lesquels nous exerçons nos activités, ne serait-ce qu'en payant nos impôts. Alors, on a beaucoup critiqué les banques avec la crise financière et économique, certains les mettant comme principaux coupables de cette crise. Parler de développement durable avec l'image qu'on a pu avoir des investissements hallucinants, certaines banques, pas toutes bien sûr, certains investisseurs, etc. Comment on arrive aujourd'hui à équilibrer les choses et quelque part à retrouver une image d'un banquier qui, comme vous l'avez évoqué, qui est là pour évaluer les risques et de manière durable justement, de manière Alors, c'est effectivement, efficace? c'est grâce au développement durable et c'est grâce à la communication que nous en ferons que nous arriverons à retrouver l'image qui était celle des banquiers avant la crise. Je vais prendre des exemples. D'abord, une politique de développement durable, ça se traduit concrètement dans la façon courageuse et engagée que nous avons d'accompagner nos clients dans le financement de leurs projets. Il faut être capable de dire non et évidemment d'accompagner. Et on ne le fait pas par hasard, on le fait à l'appui finalement de principes que nous avons signés, les principes équateurs, et surtout de guides sectoriels que nous avons élaborés dans l'entreprise, qui permettent à nos équipes d'accompagner les entreprises qui se développent dans le secteur de la forêt de telle ou telle façon, dans le secteur de l'eau, dans le secteur des énergies, dans le secteur des industries extractives ou encore des industries chimiques. Donc déjà, il y a des principes qu'il faut respecter. Ces principes n'ont pas changé depuis la crise et nous devons continuer notre politique de crédit au sens large ou de financement de projets avec ces principes-là. Après, nous devons nous comporter de la même façon avec les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est quoi? C'est les clients. Finalement, cette crise-là n'a pas donné lieu pour HSBC à une raréfaction du crédit. Nous avons continué, non seulement continué d'accompagner notamment les PME au travers du monde qui souffrent finalement de cette crise économique, en mobilisant toujours les ressources nécessaires pour leur octroyer du crédit. Et plus que ça, nous avons mobilisé un fonds de 5 milliards de dollars qui a permis aux PME de bénéficier de crédits supplémentaires. C'est un exemple pour ce qui concerne les clients. Nos parties prenantes, c'est également nos collaborateurs. Nos collaborateurs ont traversé cette crise dans ce groupe. Les collaborateurs sont des parties prenantes de l'entreprise. Il faut veiller à ce que la diversité soit une valeur fortement promue dans l'entreprise. C'est le cas d'HSBC. HSBC, d'ailleurs, respire la diversité. C'est une entreprise extrêmement diverse. Nous nous assurons depuis 3 ans maintenant que nos employés sont engagés en faisant des enquêtes d'engagement tous les ans, avec d'ailleurs des scores d'engagement significativement plus élevés quand les collaborateurs s'engagent personnellement dans des actions de type mécénat ou philanthropique, développement durable. Et puis nous accordons une importance extrêmement forte à la formation, ce qui confère beaucoup de crédibilité à l'ensemble de la politique de développement durable. Les parties prenantes, c'est également finalement les investisseurs. C'est comment les investisseurs nous regardent,
en tant qu'HSBC engagé dans le développement durable. Et on ne peut pas ne pas rencontrer nos investisseurs. Ceci s'est fait au travers de 700 rencontres qui se sont tenues là, depuis 12 mois avec les membres de la direction générale du groupe, avec d'ailleurs des attentes qui sont très très bien formulées par nos investisseurs, qui sont des attentes qui sont liées à ce que j'évoquais il y a un instant, à savoir diversité, engagement des collaborateurs, gestion de la relation clientèle. Et tous ces sujets-là, ce sont des sujets sur lesquels HSBC doit continuer de se positionner et encourager donc le développement. On a également tout ce qui concerne les relations que nous avons avec les ONG. Et nous avons souhaité nous rapprocher, il y a maintenant 6 ou 7 ans, du WWF, en la personne de Francis Sullivan. Et c'est grâce à Francis Sullivan et le WWF que nous avons pu construire notre politique de carbone neutre et que nous avons pu élaborer les 5 guides sectoriels qui conduisent et qui édictent notre politique de financement de projet. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir une politique, comme on dit, proactive concernant le climat, dont on va beaucoup parler, puisqu'on, ça y est, on est rentré dans les discussions de Copenhague, donc ce sommet Copenhague. Certains disent qu'on n'en obtiendra pas grand-chose. On peut avoir une politique proactive, c'est important. Alors, de quelle façon l'avons-nous ? D'abord, on doit avoir une politique proactive quand on est à HSBC. Et avant d'avoir une politique proactive, il faut se forger une opinion. Et la façon que nous avons eu de traiter le problème des enjeux climatiques, finalement, et de leur incidence sur un groupe comme HSBC, c'est de s'attacher les conseils de Lord Stern, qui n'est plus à présenter. Et Lord Stern est devenu le conseiller particulier de Stephen Green. Et Lord Stern nous a aidés à mettre au cœur de notre stratégie financière, la problématique donc des enjeux climatiques, du réchauffement climatique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose concrètement que nous avons faite, c'est que nous avons mis en place un laboratoire de recherche qui est basé entre Bombay et Londres et qui est un laboratoire qui nous permet d'évaluer les impacts de ces enjeux climatiques sur les tendances macroéconomiques. Et ceci nous permet de nous forger une opinion. Et la troisième chose que nous avons faite, c'est de lancer une enquête auprès de 12 000 individus dans 12 pays différents, qui, elle, nous permet effectivement de faire remonter un message très fort aux politiques en charge donc de négocier notamment les futurs accords dans le cadre du sommet de Copenhague. Une espèce d'action de lobbyisme très très importante. En conclusion peut-être, la crise a quand même un peu bouleversé la donne et même si on en parle aujourd'hui de ce développement durable, on peut se dire qu'il y a peut-être un certain nombre d'acteurs, compte tenu de la crise financière, qui vont peut-être le mettre de côté, en quelque sorte. Bon, on verra ce qui sortira de Copenhague, mais on a l'impression qu'il faut déjà redresser l'économie, qu'il faut déjà que du coup, peut-être cette partie-là va passer de côté. Quel est votre sentiment là-dessus ? Mon sentiment, c'est que c'est une occasion inespérée pour accélérer le développement durable, tel que nous l'avons vu son développement depuis quelques années. On ne sortira que plus rapidement de cette crise que si on est capable de prendre en considération dans la politique des entreprises, mais également dans nos politiques en général, donc évidemment les enjeux liés au réchauffement climatique, mais également tout ce qui touche donc à une politique de développement durable telle que nous avons évoqué. Le sujet que nous avons, c'est que nous avons encore une partie du monde, et notamment les pays émergents, qui, eux, ont besoin encore d'être sensibilisés de façon beaucoup plus forte à ces sujets-là, ce qui est moins le cas, effectivement, des économies occidentales. Merci, Christophe de Becker, d'avoir fait le point avec nous, directeur général délégué d'HSBC France. Merci.